Nous voilà dans la cave là où je fais mon sport pour vous présenter ce banc d'abdominaux et pas que. Donc il arrive plutôt facile à monter puisque il suffit de mettre des goupilles ici, là et ici, plus deux vis là en bas et c'est monté. Au niveau donc du dossier, on peut très facilement venir régler voilà l'inclinaison que l'on souhaite. Donc ça, c'est la première fois que j'ai pas beaucoup de matériel. Donc c'est la première fois que j'ai ça. Donc ça permet d'avoir à plat ou pas. Et on a là deux poignées. Deux poignées. Donc ce qu'on peut faire, c'est pour régler la dureté de l'élastique. On peut modifier ça pour que ça arrive par exemple comme ici et avoir alors un élastique beaucoup plus court et donc une difficulté accrue que quand il est comme ça et donc il est plutôt léger et ça vient s'accrocher là sur le pied donc ça permet d'avoir une bonne stabilité. Les mousses là, elles sont plutôt agréables. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Donc c'est plutôt confortable. Ça fait pas c'est pas trop dur en fait comme mousse. J'avais peur que ce soit un petit peu dur, mais non. Le revêtement là, il est facile à nettoyer, je pense. Hein? Voilà, c'est après les goûts et les couleurs au niveau du truc, mais c'est plutôt sobre. C'est facile à ranger. Il suffit d'enlever les goupilles et voilà. Quand il s'est livré, on se retrouve avec des pièces de rechange. Donc on a une vis de rechange, une goupille de rechange et la clé qui permet de serrer la vis. Et on a une documentation pour le montage, l'entretien, 2-3 exercices. Bref, de quoi démarrer avec ce banc d'abdominaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire un avis sur ce banc d'abdominaux et de voir si chez vous il peut avoir sa place ou pas.